Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une créatrice que vous connaissez sûrement déjà si vous me suivez. Donc c'est les créas de Bibi. Donc je suis passée sur sa boutique et j'ai profité que ce soit la fin de Noël et tout ça pour pouvoir passer commande. Donc tout d'abord voici ses cartes. Il y a cette très très jolie carte. Hop là. Donc c'est une création qu'elle a faite, c'est une charlotte aux fruits rouges. Et au dos, vous retrouvez son adresse, l'adresse de sa boutique, ainsi que son Facebook et son adresse mail. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et elle m'a aussi fourni une deuxième carte, voilà, qui concerne uniquement ses Bibi Box. Donc voilà pour ces cartes. Donc sur sa boutique, j'ai acheté la Bibi Box sans Fimo de Noël, ainsi qu'un lot de 50 breloques sur le thème de Halloween, un lot de 50 breloques surprise, je ne savais pas ce qu'il allait avoir dedans, et j'ai aussi pris la box purple. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voici les breloques sur le thème de Halloween. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment une très grande quantité, il y en a une cinquantaine. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sortes de breloques. Et je vous fais le détail tout de suite. Tout d'abord, il y a ces petites citrouilles, trop adorables. Ensuite, deux plus grosses. Donc il y en avait 6 des petites. Deux grosses citrouilles. Deux maisons hantées avec des fantômes qui sortent. Celles-là, vraiment, je les adore, elles sont super jolies. Ensuite, il y a ces dégoûtantes araignées, donc il y en a 6 aussi. Elles sont vraiment très bien faites. Les breloques en elles-mêmes sont vraiment très belles, mais je déteste ces bestioles. Mais oui, sinon elles sont très bien. Ces 4 petites chauves-souris. Ensuite, ces 6 toiles d'araignée, comme ceci. Ensuite, celles-là, elles sont vraiment mais magnifiques, donc il y en a 5. Sont des mâchoires de vampires et je les adore, elles sont trop trop belles. Donc 5 comme ceci. Celle-là aussi, c'est, je pense que ce sont une de mes breloques, une de mes sortes de breloques préférées. Il y en a 7, des petites têtes de squelette, trop choupi. Deux grosses toiles d'araignée. 5 chapeaux de sorcière. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Et ensuite 6 petites sorcières sur leur balai, comme ceci. Donc voilà pour les breloques sur le thème de Halloween. Je vous présente maintenant les breloques, donc les 50 breloques dont je ne savais absolument pas la composition, c'était vraiment surprise. J'en ai pris 50 et elle m'a mis vraiment celle qu'elle voulait, donc je vais vous faire un petit peu le détail. Donc la plupart sont en double ou en quadruple, donc c'est vraiment cool parce que ça permet de faire des paires de boucles d'oreilles, sauf deux breloques que je vais vous montrer tout de suite. Cette très très jolie breloque paire de ciseaux qui est vraiment vraiment très très belle, ainsi que cet hippocampe qui est assez grand, vous pouvez le voir à côté de mon doigt, et qui est aussi très jolie, très détaillée. Voilà, alors ensuite nous avons deux aiguilles à tricoter. Je connaissais pas du tout ce genre de breloques et je les trouve vraiment fun. Elles vont très bien avec la paire de ciseaux de couture. Deux aiguilles, deux petits coquillages, deux têtes de mort, deux têtes de mort dans le style pirate, très très belles. Quatre cuillères, ensuite ça c'est quatre arêtes de poisson, quatre petits petite grappe de raisin, mais vraiment minuscule, hein, vous voyez à côté de mon doigt, c'est rikiki. Deux landaux, deux théières avec leur tasse, ainsi que deux très très belles théières, un peu plus en relief que les deux autres. Deux petits lapins, deux jeux de cartes à jouer, quatre petits poissons, deux cœurs qui font un petit peu cadenas, deux petits nounours trop choupis, comme ceci, deux cœurs magnifiques, deux petits masques de carnaval, ensuite deux petites sorcières. Donc oui, il y en a plusieurs que vous allez retrouver dans les breloques pour Halloween. Donc ces petites sorcières,
Ce sont encore deux petits poissons. Deux breloques clés que j'adore parce que les breloques clés, c'est vraiment quelque chose que je trouve très très beau et ça ira parfaitement avec les petits cœurs serrures. Et deux breloques étoiles de mer. Et les deux dernières sont deux breloques tétines. Donc voilà pour les. S'il fait la mise au point. Non, bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà pour toutes les breloques que j'ai pu recevoir dans le lot de 50 breloques. Je vais vous montrer maintenant la box de Noël. Donc c'est une box sans fimo. Donc elle se présente dans ce petit pochon trop mignon avec des boules de Noël. Voilà, avec écrit Joyeux Noël! Donc voici tout ce que vous pouvez retrouver dans la Bibi Box de Noël sans fimo. Alors tout d'abord, ces deux très très beaux rubans. Donc un gris avec des petits flocons blancs et un noir qui est pailleté. Enfin, je ne sais pas vraiment comment vous définir ça. C'est pas lisse du tout et c'est pailleté. Donc c'est vraiment très joli. Ensuite, donc là je l'ai plié en deux, mais en fait ce n'est qu'une seule chaîne bille qui est vraiment très très longue. Hein. Vous voyez quand je dézoome, s'il fait la mise au point, ça serait bien. Je l'ai trouvé pour lui. Voilà. Quand je dézoome, il y en a vraiment une grande quantité. On va passer ensuite aux apprêts. Donc pareil, une grande quantité de clous à tête plate et de clous à œil. Ensuite, des accroches de boucles d'oreilles américaines, 4 fermoirs, 6 griffes pour ruban, 4 puces d'oreilles où vous pouvez accrocher en fait votre création en dessous et non la coller sur le dessus. Avec, je crois qu'il y a. Il doit y en avoir un en trop parce que je pense qu'il devrait y en avoir 4 pour aller avec, mais j'en ai 5. Donc ce sont des petits fermoirs qui vont avec, vous savez, les petits bouts en silicone que l'on met derrière sur le clou. Deux broches, une plus grande que l'autre, 4 fermoirs pour aller avec la chaîne bille, je ne sais pas combien d'anneaux, mais beaucoup d'anneaux de jonction, et un support bague que je ne connaissais pas, enfin je connaissais mais je n'en ai jamais utilisé, donc c'est pour accrocher vos créations sur le dessus, c'est pas pour coller en fait, c'est pour que ça fasse des petites breloques. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la déco. Tout d'abord, ces 4 grelots. Ces 4 perles super jolies. Donc, sur toutes les perles que je vais vous présenter, ce sont vraiment mes préférées. Donc elles sont noires, très brillantes, avec des incrustations d'étoiles argentées. Vraiment très très belles. Ensuite, 8 perles noires. 8 perles argentées qui ne sont pas lisses du tout. Elles ont un effet de texture. 4 perles blanc nacré. Beaucoup de perles billes, enfin toupies, pardon, un petit peu aplaties. Et beaucoup de perles toupies un peu plus allongées. Des toutes, toutes petites perles, donc qui ont le même effet que les argentées tout à l'heure que je vous ai montré. Elles ne sont pas lisses, elles sont texturées. Et elles sont toutes petites. Un sachet de strass à coller sur les créations ou à mettre dans la décodène. Donc voilà pour les perles et les strass. Je vais vous montrer maintenant les breloques. Alors tout d'abord, cette breloque magnifique, donc vraiment très grande, hein, je vais vous la mettre sur la main pour que vous puissiez vous en rendre compte. Cette breloque serre, qui rien qu'à elle toute seule pourrait faire un sautoir tellement elle est jolie. Donc voilà pour cette breloque. Ensuite, deux breloques cadeaux, deux petites breloques serre, 6 breloques feuilles de houx. 4 chaussons ou chaussures de Père Noël, 2 couronnes de Noël qui sont très très belles, 4 sapins de Noël, 6 petits flocons adorables, je ne sais pas combien, 2, 3, 4, 5, 10 petites étoiles, là non plus je ne sais pas combien, 10 calottes pour perles qui sont très belles, elles sont avec des petites fleurs, enfin des petites feuilles, pardon. Donc vraiment très joli. Et enfin, deux breloques boules de Noël. Ah, la mise au point ne veut pas. Voilà. Donc voilà
tout ce que vous pouvez retrouver dans la Bibi Box de Noël sans Fimo. Voici maintenant la box purple. Donc elle se présente de la même façon que la box de Noël. Donc, sur cette box, le principe, c'est qu'on ne connaît absolument que la couleur. On sait qu'il y a à l'intérieur uniquement des choses pour décorer vos créations. Donc, pas d'après, juste des rubans, des perles, des breloques, des petites choses comme ceci. Donc, ça fait la taille de ma main à peu près. Donc, voilà tout ce qu'on peut retrouver dans la box purple. Donc, je vais vous faire tout de suite le détail. Tout d'abord, ces trois rubans. Donc, un violet à pois, un satiné un peu plus clair et un satiné plus fin mais plus foncé. Ces 5 petits nœuds. 2 straps mauves. 6 petits cœurs pour mettre dans la décodène par exemple. Donc 2 brillants et 2 mats. Ces 3 têtes de Mickey en strass. Ces 6 cabochons fleurs. Ces 7... ce ne sont pas des perles, ce sont des demi-perles, pareil, pour mettre dans la décodène. Donc elles sont violettes foncées et mauves très claires. Ces tout petits strass, dans les tons violets, enfin avec des reflets violets. Cette fausse pierre. Ces petites feuilles. Ces fleurs. Donc là, ce sont des perles. Celles-là aussi sont des perles. Et cette grosse perle mauve clair en forme de fleurs. Ensuite, nous avons ces très étranges perles que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est des perles pour faire des colliers à double rang, je suppose, parce qu'il y a 2 trous. Donc, c'est peut-être sûrement pour structurer un collier double rang. J'en ai 2. J'ai ces 6 têtes de mort violettes. Ces 2 énormes perles à strass, c'est vraiment disco, je ne connaissais pas non plus, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais trouver. Ces 2 perles zébrées, ces 2 perles rayées blanc et violet, 4 plus petites et 8 encore plus petites. Ces 4 perles violettes avec des incrustations argentées. Ce grand nombre de perles violettes un peu couleur essence. Ces 3 perles. Alors, il devrait y en avoir 7, mais il y en a une qui s'est cassée pendant le transport. C'est dommage parce que ce sont mes perles préférées. Donc, ce sont des perles en verre, un côté blanc et un côté violet. Donc, ça a vraiment un effet très sympa et elles sont craquelées. Ensuite, c'est 7 perles dans les tons violets aussi. Et hop, c'est 7 perles étoiles. Donc elles sont trouées à ce niveau-là. Ici. Il y a ensuite ces 4 petites perles. Celle-ci. Celle-ci. Ceci, ce n'est pas des perles, en fait, ce sont des strass qui sont un tout petit peu coupés derrière. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Est-ce qu'on va voir où est-ce qu'elles sont coupées? Elles sont coupées ici. Pareil, pour mettre dans la décodène, je pense. Voilà. Ces 4 perles ovales. Et ces toutes petites perles, donc celle-là plus sous forme de strass et celle-là vraiment des perles rondes avec un petit reflet essence. Donc, hop là, mise au point. Non, il ne veut pas la faire, on recommence. Voilà tout ce que vous pouvez retrouver dans la box purple. En plus des 4 produits que j'ai achetés, donc on récapitule le sachet de 50 breloques surprise, les 50 breloques Halloween, la Bibi Box de Noël et la Bibi Box Purple. J'ai pu recevoir un cadeau très gentiment de la part de Marie, donc la créatrice et gérante de la boutique Les Créas de Bibi. Ce sachet de perles, vraiment très belles, elles sont nacrées.
Donc un petit peu toutes les couleurs comme vous pouvez le voir. Avec à l'intérieur un petit nœud bleu clair avec des petits pois blancs. Donc merci beaucoup Marie, ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut !